Allez, 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 allez. On va le faire. Allez. Ralenti. Mais y'a quoi? Il se passe quoi, Samir? Me dites pas qu'elle est rentrée après. Hé, Yanis! Yanis! Mais y'a quoi, là? Elle touche le plafond. Elle touche le plafond. Il est rentré comme as. Oh, le sketch! Oh, le sketch! Elle touche le plafond! Mais elle touche le plafond! Elle touche le plafond! Mais attendez, elle touche le plafond, non? Elle touche le plafond? Mais attendez, mais c'est une blague! Mais non, mais wesh! Mais y'a un problème là! Attends. On essaie de voir, Elle a tué le plafond. Attends, j'arrive, reste. Yannou, s'il te plaît. Alors là, les frères, je suis désolé, hein. Mais si on sort sur ça, c'est le sketch de l'année. Waouh. Waouh. Franchement, hein, désolé, mais c'est drôle. C'est le waouh. Ah, c'est les buts que tu vois sur YouTube. Putain, la vidéo va tourner partout là. Waouh! Elle touche pas le plafond là. Bah, moi en fait, là il y a Samir et Amine, tout le monde est parti leur parler. Moi je dois rester. Bah, là les frères, c'est, si on perd là-dessus, c'est fini, on rentre à la maison. C'est quoi ça? En gros, penalty MLS, le mec il a tiré. Notre gardien il l'arrête. La balle elle part là, tout là-haut. Et après elle redescend, elle rentre et tout. Mais vas-y, les joueurs ils disent qu'elle a touché le plafond. Je crois qu'il n'y a pas de caméra qui monte le plafond en fait. Donc là ils s'en foutent. Si elle touche pas le plafond, c'est but et c'est éliminé, les gars. Ça, c'est les règles. C'est devenu rouge avant. Ouais, mais il avait déjà tiré. Et Yanis, homme du match. Ah, je comprends pas. Il a tiré avant les 5 secondes? Non.
Oh là là. J'aimerais bien revoir le ralenti, mais avec le plafond. Il y a sa mère qui arrive. C'est comment? Elle touche pas le plafond, on sait pas? On sait pas si elle touche le plafond? Bah, c'est ça, c'est ça. Ah, deux fois. Oh là là. Amine, je sais pas, il est où les frères? Il doit être avec les arbitres et tout. Mais là, Amine doit être trop énervé, il doit tout casser là. En tout cas, merci les gars d'avoir. Si on sort là-dessus, merci d'avoir soutenu l'équipe. Hein. Franchement, on n'a pas. Non, là, je sais pas quoi dire carrément. J'essaye de faire le mec, Zarma, tout va bien. Tout va pas bien, les gars là. Dégoûté. Mais je sais même pas. Oh là là. En fait, mais franchement, la règle de la lumière rouge, je la comprends pas. Je la comprends pas, la règle de la lumière rouge. On nous dit qu'il faut 5 secondes pour marquer. Là-bas, la lumière rouge, ça fait 30 minutes, elle est là. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, je vois vos messages. C'est vrai que pendant toute la compète, il y a eu des trucs bizarres. Vas-y, Amine, il s'est énervé nous deux fois, mais Amine, il voulait absolument rester. Là, il voulait pas vraiment. Parce que si on s'énerve, les joueurs, ils vont s'énerver aussi. On voulait pas faire ça. Mais waouh. C'est waouh. C'est un truc de fou. Ah, je suis dégoûté. Oh, Amine. Je sais pas les frères. Pour moi, il y a une ou deux décisions bizarres, mais vas-y. Au moins là où on joue vite le corner, le mec qui met son pied, ça c'est au moins carton. Au moins. On se rappelle le carton qu'Alan il a pris pour anti-jeu. C'est simple. La compète normalement elle est finie, voilà. Mais il y a une chose, on peut perdre de certaines manières, mais là on se fait baiser de A à Z par l'arbitrage depuis le début, on se fait baiser. Vas-y, faut pas abuser non plus. Comment il vient, il t'explique que soi-disant le pénalty d'Amara, il y a faute sur Amara. Il vient, il dit non, mais il va pas vers le but, mais je m'en bats les couilles qu'il aille vers le but ou pas. Ouais, il dit ça à son arbitre assistant, ouais, mais il allait aller sur l'extérieur. Ça veut dire quoi, demain je vais... Il y a le dernier défenseur, il me fait faute, mais c'est vers le point de corner. Au lieu de dire faute, il dit non, mais tu étais à côté du poteau de corner. C'est quoi ces règles là? Ah ouais, j'avais oublié. Ils nous prennent pour qui eux? Voilà, c'est des fous ceux là. Je sais pas pourquoi ils nous invitent, c'est pour nous traiter comme ça en fait. Hein, parce qu'ils ont invité Amine, parce qu'Amine il a donné du buzz deux fois à leur compétition. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne qui fait autant de viewers. La tête ma mère, les gars, vous là tous qui êtes là, qui regardez et qui encouragez les mecs. Il n'y a aucun streamer qui a eu la même communauté. Il n'y a aucun streamer qui a eu autant d'affluence que ce que vous avez fait, les gars. Il a fait la moitié. Mais là, de tout le monde. C'est se faire baiser. Les frères, on ne peut pas accepter ça. C'est un scandale. Ça va pas à la tête ou quoi? C'est un scandale. Ok, on aurait dû mettre nos occasions. Ok, il n'y a pas de problème. On a raté 2 milliards d'occasions. Et ça, on peut s'apprendre qu'à nous-mêmes. Mais un minimum, sur l'arbitrage, on ne demande pas d'être avantagé. On demande juste un arbitrage normal. Le penalty sur Amara, wow. Penalty sur Amara, il a dit non, c'est parce qu'il part. Il part pas vers le but. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a un mec, il a dit on est les seuls à prendre ça à premier degré. C'est faux, gros. C'est faux. Toi, t'es pas à l'hôtel, t'es pas. Il y a tout le monde qui prend la compétition en sérieux. Il y a tout le monde. Il faut savoir, hein.
Si on vient ici pour rigoler, vous allez dire pourquoi vous rigolez, pourquoi vous ne jouez pas la compétition. Et quand on la joue sérieux et qu'on s'emporte parce qu'on se fait baiser, vous vous parlez en plus. Ah ouais, les gars. Voilà, si c'est pour pas parler, arrêtez de pas. Si c'est pour dire de la merde, arrêtez d'envoyer des messages. On n'a pas besoin de ces messages, les gars. Les gars. Et pour les autres. Mais allez, la vie continue. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie qui sont en train de se passer en ce moment. Mais. On refuse de perdre en se faisant baiser, ça c'est une certitude. Ah, c'est ça qui fait. Si on perd, on n'a pas été bon, franchement, vous l'auriez vu, vous l'auriez dit. Voilà, même nous on l'aurait dit, on est objectif. Hein. Et je sais pas, de toute façon vous l'avez sûrement vécu. Vous avez vu Amine, plus les matchs passaient, plus il avait du mal à se contenir. Mais au début, Amine il voulait pas parler de l'arbitrage. C'est moi qui étais venu sur le live pour parler de l'arbitrage parce que je savais qu'Amine il voulait pas le faire. Mais là, c'est Amine, c'est Samir, si tout le monde en parle, les gars. Mais même vous, vous le voyez maintenant. Non, il y a des limites, frérot. Vas-y sur le match. Vas-y. Déjà, on est la seule équipe. Il regarde vraiment la vidéo pour nous annuler un penalty. Quand le penalty compte double sur Amara. Déjà, ils nous ont annulé un penalty. Après, sur le penalty de MLS, que Amara, il se fait faucher par le gardien. Il dit non, mais il va pas vers le but. Et vous voulez quoi de plus, frère? Les règles, il y a marqué. T'es abusé. Mais lui aussi, vas-y, avec son organisation de merde à lui. Là, voilà. C'est la vérité, frère. Voilà. 5 secondes, tout score, il y a marqué, les gars. Tu as vu ça où tu fais une compétition, toutes les équipes, elles ont la diarrhée, mon frère. Ah oui, tu as vu ça où, frère ça. C'est vrai, sauf les Mexicains et Espagnols. Non, c'est trop bizarre. J'aimerais des explications sur ce qui s'est passé. Le penalty, il n'a pas l'arbitre, il va pas truc, jamais. Mais quand il était là-bas, il dit ouais non mais il va pas vers le but. Celle-là je l'ai jamais entendu de ma vie, voilà. Il y a faute. Il va vers le but, il va pas vers le but, ça c'est pas ton problème. Il y a faute, tu siffles faute. Franchement les gars, depuis le début, même avant les matchs, c'était bizarre. Amine, on lui a dit prends ton temps pour le troisième joueur, parce qu'Amine il a dit je trouve pas le troisième joueur. On lui a dit prends ton temps. Au final, il est troisième troisième joueur. Ça se plaint, Piqué fait un communiqué, il dit bon. Non, va mieux. Ben, on va dire la vérité. À la base, il a dit si c'est Franck qui vient, même jusqu'au premier match, il peut venir. Voilà. À la base des bases. Voilà. C'est ce qu'il a dit, frère. Mais maintenant, on ramène un joueur et c'est le streamer que lui, là, il a fait monter de toutes pièces, qui met un message sur Twitter et après, Jamin, ouais, mais je peux pas parce que si je le valide, les autres streamers, ils vont truc. Mais frérot, Ibai, c'est toi qui le contrôle de A à Z. Ouais. Si tu dis à Ibai, ferme ta gueule, il va fermer sa gueule. Arrêtez de prendre des gens pour des cons, frère. Depuis le début, ça a été bizarre. Heureusement, on n'a pas ramené R9, frère. Il nous aurait fait quoi, frère? Il aurait inventé une règle. C'est vrai, ça nous dit couper le match, amenez pas plus de responsabilité, de visibilité. Après, les gars, c'est le live d'Amine. S'il a envie de couper, il coupera, mais non, moi, je peux pas toucher à ça. Mais là, premier degré, je suis dégoûté pour les joueurs. Mais même, je repense au tout début du match. Yanis qui gagne son 1v1 qui va au but. Le joueur qui pose deux fois ses mains dessus. L'arbitre ne siffle pas. Eh, t'as vu, c'est des trucs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le foot. Ça donne un pénalty au tout début du match. Ça fait plus 1. Ça fait plus 1 au début du match. Ouais. Ça, c'est des trucs, c'est des petits détails. Ça change tout. Ça fait plus 1. Le mec qui pose ses deux mains sur le torse, on est où? C'est quoi? C'est de la danse. C'est un fou. Coupez le son du match au moins, les gars. Oh. Abdel il se fait suspendre gratuit juste pour éviter un truc politique alors que Amara il se fait agresser mais on prend une suspension aussi. C'est ça. Non voilà c'est trop, voilà que c'est trop. On a eu tout depuis le début que des trucs bizarres. La sélection aussi, tout. Ouais, la sélection, vrai. On n'avait pas le choix de choisir qui on voulait. Faut savoir les gars, voilà. C'est eux qui nous ont imposé des joueurs. Je sais pas si vous êtes au courant mais par exemple les Allemands. Ça fait 7 mois qu'ils font une sélection. Ça fait 7 mois qu'ils sont au courant. Et même après ça, leur sélection elle s'est finie 2-3 jours après la nôtre. Nous on avait un mois et ça s'est fini avant. Et sur un mois, le mec qui voyait les sélections, j'ai parlé avec lui. Il était tout seul. Il devait voir les 7000 sélections. Il devait les faire tout seul avant de les emmener au try-out. Vas-y, c'est vrai, là, on dirait qu'on trouve des excuses. C'est bizarre, mais c'est vrai, c'est la vérité. Non, maintenant que c'est fini, ouais, on peut dire les choses, c'est tout. On n'aurait jamais parlé parce qu'on voulait pas. Mais là, on est frustré, on parle, c'est tout. C'est l'accumulation des choses. Voilà, c'est l'accumulation de se faire baiser. Tu vois, premier match, deuxième match, troisième, c'est bon, frère. Surtout comme on dit, de toute façon, jamais 203, gros. Ouais. Les deux premiers matchs, il y a eu ça, troisième. Ouais, après, voilà, si on avait mis nos actions. T'as vu des tout petits trucs, t'arrives à l'hôtel, t'as pas de chambre. Ouais. T'arrives à l'hôtel, Samir et Jérémy, c'est les seuls, ils ont pas de chambre. Je comprends pas.
Hello Amine, Amine, il doit parler avec tout le monde là. Amine, il doit pas être vraiment, il doit être énervé de fou. Tweet Ibai. Ah ouais, il a tweeté Ibai, je sais pas, je vais aller voir. Les Belges sont éliminés. Je comprends pas, Temas il y a marqué en jaune. The goal and Chal have 5 secondes to score. C'est les règles, comment. Je comprends pas. Sur les règles, il y a marqué 5 secondes to score. Ah, même Ibai a dit qu'on s'était fait voler. Ah, bah si même Ibai le dit, les gars. Si même Ibai le. Les gars, je sais pas comment mettre la cam et tout. Je suis désolé. De quoi ils veulent quoi? Ils veulent mettre full cam, full. Attends. Ah. Normalement c'est là, Omnicam. Je crois que c'est là. Omnicam. Ah c'est bon. Non ça. J'ai touché, c'est bon. Voilà les gars. Si même Iba il le dit, c'est vraiment qu'il y a un truc de fou, tu vois. Sur les règles, il y a marqué noir. Attends. From the moment the goalkeeper touches the ball and it has not been a goal or directly. It has not been a goal without the goalkeeper touching the ball. But you keep finishes and shot. Je vais aller voir le tweet Ibai. Pixel. Mais merci en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci pour Amine, merci pour le soutien que vous avez donné aux joueurs. Merci à Samir de s'être impliqué, merci à Jérémy, merci à tout le monde. C'était vraiment une grosse aventure, nous on l'a kiffé. Ouais. On se fait baiser avec la règle. Voilà. Donc alors peut-être que leur comité va te faire rejouer le match. Donc, la règle c'était bien ça. Ouais. De ce qui est écrit. Tu as 5 secondes pour marquer. C'est ça. À part s'ils vont trouver encore une virgule pour nous sortir. Ouais, je pense qu'ils vont la trouver. Ah là là, merci les gars. Vous allez voir le tweet d'Ibai. Non, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas tweeté. Ah ouais? Non, il n'a pas tweeté Ibai, les gars. Peut-être qu'il a dit en live, je sais pas. Peut-être. Jamais ils refont le match. Bah en fait, moi je vous le dis, voilà, je vais vous le dire. Hein. C'est une équipe mexicaine ou espagnole qui prend ça, je vous jure, le match il est rejoué dans les 10 minutes. Ils annulent toute la compète. Il a tweet, mais moi je vois pas le tweet d'Ibai, j'étais sur son compte là. Peut-être en réponse. J'avoue, il a tweeté. Tu parles espagnol un peu? Ça a touché le plafond, c'est ça? Donc vol. C'est ça? Ibai a dit ça a touché le plafond, c'est un vol. Ouais. Ouais. Attends, je vais aller voir ce qui se passe. Ah, il troll. Je sais pas. C'est vrai que. Ah, je sais pas. C'est vrai qu'il faut même regarder quand le ballon il part. Peut-être les joueurs ils avancent. Il y a des trucs, tu vois, il y a des règles. En vérité, je suis dégoûté pour les joueurs. Moi, vas-y, j'ai pas joué, même si j'étais vraiment bien. J'aimais trop les joueurs. Je suis dégoûté pour les joueurs et je suis dégoûté pour les supporters aussi. Pour vous, les supporters et les viewers. Je suis dégoûté. C'est quoi ton. C'est le ballon il touche, c'est quoi, il se passe quoi? Non mais avant ça, il y a deux pénalties sur Amara. Pitié il est venu nous voir. Pitié il s'est excusé, ça fait 10 minutes il s'excuse. Ah ouais? Il a dit je suis désolé, il y a pénalty, je vais voir ce que je peux faire. Mais ça sert à rien, tu fais quoi? On va rejouer un match, on va rejouer 2 minutes. J'ai la photo, je vais la montrer. Pitié il est venu, il s'est excusé. Bravo. Attends, tu peux pas montrer iPhone. Envoie-moi sur Insta. Google Pixel, les gars, Google Pixel. Pixel, les gars. Non les gars, en plus elle touche le plafond. On a la vidéo, elle touche le plafond. Elle va en l'air, elle dévie un truc pour retourner dans la cage. Oui. Elle dévie un truc. Non mais là, c'est... Wow. Franchement, il y a aucun plaisir. Moi je vous dis la vérité. Bah on avait 4 balles de match, je pensais qu'on allait gagner. Je serais même pas entré sur le terrain, j'aurais même pas célébré. Ça sert à quoi? Tu te fais enfiler tout le long. On a la carte but double. On met le penalty carte but double. Tu regardes un ralenti en x100. Il peut pas avoir penalty. Je regarde en x100. Comment tu peux avoir penalty? C'est en x100. Vous avez tous joué au foot. Quand tu vas à pleine vitesse, un petit contact, ça te déséquilibre. Et en plus, wow. L'erreur que l'arbitre fait, c'est qu'il laisse pas l'avantage. On avait le ballon dans la surface. Laisse jouer. On joue. Après, tu vois si tu siffles penalty. Parce qu'il a coupé l'action. C'est dur à on est éliminé, on n'a pas perdu un match, Yannou. C'est dur à avaler, ouais. On n'a pas perdu un match. Ils ont marqué 4 buts, aucun dans le jeu. Au début, les 1v1, comme d'habitude. Et après, 2 pénalty MLS.
C'est une des meilleures attaques du championnat, on n'a pas pris un but. Non, mais il n'y a aucun plaisir. Franchement, il n'y a aucun plaisir. Moi, je viens, t'as vu, je me casse le crâne. Je me casse le crâne. C'est super dur. Il faut apprendre des règles, il faut parler à plein de joueurs. Pro, ancien pro, grand, jeune, petit. Arrête, arrête, en fait, arrête. Moi, je vous dis un truc, les gars. Il n'y a aucune équipe européenne qui est qualifiée. Allez voir, il restait que nous et l'Italie. Il restait que nous et l'Italie. Il restait que nous et l'Italie. Oh, frérot, le Mexique. T'as vu, merci Piqué. Mais le Mexique, moi, je préfère y aller avec ma femme et mes enfants. Je viens, je fais des entraînements, on te lâche un ballon, une coupelle. Après, on dit, il n'y a pas pénalty. Après, on dit, là, il n'y a pas pénalty. Après, là, ça touche le plafond. Les deux matchs d'avant, c'était encore pire. Normalement, on est déjà qualifié. Les deux matchs d'avant, c'était encore pire. Le fait que Piqué vienne s'excuser, ça en dit long, les Piqué, gars. Piqué, oh, il était désolé. Et moi, je suis désolé auprès de lui parce que je lui ai parlé un peu avec véhémence. J'aurais pas dû. Il était trop désolé. Mais tu vas faire quoi? Tu vas rejouer une minute? Tu vas rejouer une minute, on va se remettre en place, tout le monde met les chaussettes, on rejoue une minute. Arrêtez, arrêtez. Même l'Argentine, ils avaient honte. Ils avaient honte de célébrer. Ils avaient honte. Ils avaient honte. C'est un sketch. C'est un sketch. Oh, à un moment, on a un corner à la dernière minute, ouais, on joue vite. Parce qu'à la limite, met le pied, pas jaune. À la limite, les pénaltys, il peut dire non, ceci, cela. Mais quoi, c'est là, là, c'est quoi? Ça, c'est les règles du foot. Non, ça, mais les gars, on a le plafond devant nous. Oh, il est pas haut du tout. Ouais, il est pas haut du tout. Tu l'as vu toucher, moi j'ai pas vu. Hein. Ouais, j'ai vu. J'ai une vidéo, elle touche. Ah ouais? Une vidéo, je viens de te l'envoyer, le ballon il monte comme ça. Pouf. Arrêtez. Arrêtez. Tu m'envoyais où? Sur WhatsApp, je t'ai envoyé quand Piqué nous parle et après sur Twitter il y a la vidéo. Franchement, les gars, on se fait éliminer, on perd pas un match. Oh, on perd pas un match, on se fait arracher du début à la fin. La Belgique qui se font arracher, c'est toujours les mêmes équipes. Déjà, le tirage au sort, les gars, on a annoncé avant, on affronte deux fois le Brésil. Brésil 8ème, Brésil en quart, mais on savait, on l'a même pas regardé le tirage au sort. Moi, et le Brésil, on les aurait tapés. Le Brésil, on les aurait tapés. Ou au moins, on perd dans les règles de l'art. Oh, on n'a pas pris un but dans le jeu, ils trouvent des moyens de te faire perdre. Mais arrête. L'autre, il tire la bonne carte, il compte, machin. Oh, ils ont fait que des fautes, ils n'ont pas eu un seul jaune. On a eu que des jaunes, nous. Dis-moi la différence entre la première faute de Alan qui leur donne penalty et la deuxième faute. Dis-moi la différence. Dis-la-moi. Est-ce qu'on a eu une VAR à fois 100? Est-ce qu'on a eu ça? Dis-moi la différence entre la faute d'Alan et celle-là. Si tu me dis la différence, on se quitte, bons amis, et c'est bon, on rentre en France. Je suis dégoûté, je comprends pas. Moi, je te dis, les joueurs, ils ont fait des erreurs. Je leur ai dit, mais à un moment donné, c'est pas des robots. Ils ont fait des erreurs, on peut gagner le match. Ok, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, stop. Tu te fais ma main une fois, deux fois, trois fois, stop en fait. Ça engendre de la frustration, de la fatigue, machin, stop. Oh, Jérém, il en avait marre. Ouais. Il a joué dans les plus grands stades, il en avait marre. Mais c'est trop. Pas la vidéo, les gars. La vidéo, tu peux aller sur Twitter ou tu peux pas là? Bah, je sais pas, c'est le truc de Amine. Mais tu l'as vu où? Sur Kings League, c'est la Kings League qui l'a posté lui-même, eux-mêmes. Il y a 900 caméras, mais comme par hasard, la caméra, elle rogne en haut. Le ballon, il monte à une vitesse, il revient comme ça, les gars, vous êtes allés à l'école. Tu pars d'une compétition, t'as... Oh, tu sais qu'on a pris deux buts dans le jeu en trois matchs, mais sors. C'est vrai que physiquement, là, on voit pas, en fait, sur la vidéo, on voit pas le ballon, parce qu'on voit pas le plafond, mais physiquement... Il reste un mètre et il monte tellement haut. Le ballon, il monte tellement vite. En fait, s'il touche pas le plafond, c'est comme si le ballon avait fait ça. Genre, il avait mis pause, il était redescendu vite. C'est impossible qu'il ne touche pas le plafond. Je le dis, c'est impossible qu'il ne touche pas le plafond. Voilà, fin. Non, mais Piqué, il s'est excusé. Mais tu veux faire quoi? Les gars, c'est quoi la suite? On rejoue le match? Moi, je le rejoue pas, le match. Hein. Le match, je le rejoue pas. Pourquoi tu veux rejouer le match? Pourquoi tu veux rejouer le match? Non, franchement, déçu. Je sais pas, il est où, Amine. Déçu, les gars, déçu. Il y a tout pour faire une belle compétition. Déçu, il y a 16 équipes européennes. On est la 15e sur 16 à être éliminé. Il reste que l'Italie. Les joueurs, ils se barrent. Hazard, il s'est barré. Totti, il s'est barré. C'est bon, en fait. Vous savez que même les gros... Là, on va le dire. Même les gros joueurs, les Hazard et tout, ils pensent qu'il y a vol. Ils sont pleins. Même eux se sont pleins. Et ces mecs-là, ils ont joué des matchs de fou. Des trucs avec des arbitres. Les gars, j'ai une statistique pour vous. On a regardé la VAR une seule fois dans tout le match.
une seule fois. C'est pour regarder la faute la plus évidente. C'était la plus évidente. Oh, carrément, j'ai sorti ma carte, j'étais content en x2. Jérémy, il est rentré. On a célébré. C'est la plus évidente, c'est la seule fois où ils ont regardé la VAR. Et tu mets une VAR à un ralenti x100, mais oh, joue au football. Ça veut rien dire le ralenti x100. C'est écœurant. Franchement, les gars, c'est écœurant. Moi, je vous le dis, c'est écœurant. Ah, parce que, on fait un bête de match. Ok, Piqué, il est venu s'excuser et tout. Mais quand c'était pour Adil Rami, il a fait une conférence de presse. On va voir si là, il parle. Parce que c'est bien beau de venir parler à nous. moi, Piqué, je le respecte. Montre la photo que je t'ai envoyée sur WhatsApp. Je peux pas Piqué. Je suis moi sur Insta. Les gars, Piqué, il est venu, désolé. Il est venu comme, vous verrez hein, la photo. On était dehors, hein. on n'est pas allé dans son bureau. Hein. Il y avait 800 caméras autour. Hein. Je suis désolé, il a dit je comprends pas pourquoi il a pas sifflé penalty, je comprends pas. Ah, il y a un tweet, on voit, elle touche pas. Ok, bah, je comprends pas, frère. Je n'ai pas vu si elle touche pas, elle touche pas. J'ai même pas de raison. Elle touche, frère. Bah, alors, envoie-moi la vidéo. Moi, c'est si tu m'envoies sur un bon angle, ok. D'après le chat, elle touche pas. Mais dans les règles, par contre, il y a marqué 5 secondes tout score. Non, mais c'est 5 secondes après le tir. Après le tir? Ouais. Et après le tir, au bout de 5 secondes, elle rentre. Faut que ton pied, il touche plus le ballon, le pied. Ah, ouais. La balle descend trop vite, elle touche. Mais je suis d'accord, moi, les gars. Envoyez-moi la vidéo. Hein. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais si sur le chat, tout le monde dit elle touche là. J'ai vu des mecs qui tout le monde dit elle touche. Là. Mais pour moi, l'on voit pas, mais impossible qu'elle redescende. Il a mis quoi, il baille. Ouais. Il a dit que. Il retweetait tout. Non, mais il y a un mec, il a mis en espagnol. Il a mis scientifiquement, c'est impossible vu la trajectoire, vu comment le ballon revient, qu'elle touche pas. Mais si c'était la seule erreur, les gars, on peut vous en citer 10 le premier match contre Pio, on peut vous en citer 10 contre Pelucci, on peut vous en citer 10 là. S'il y a une erreur, on rentre chez nous. Les gars, à chaque match x5, on n'a jamais eu un truc pour nous. En tout cas, s'il vous plaît. On n'a jamais joué en supériorité. S'il vous plaît, les gars, je sais qu'il y en a, ils vont être frustrés et tout, parce que même nous, on vous donne la frustration. Mais les joueurs, ils vont être dégoûtés parce que c'est vraiment des footballeurs, en tout cas des mecs qui kiffent le foot. Et là, je peux vous dire qu'ils sont vraiment touchés, à mon avis. Donc, n'hésitez pas à même des DM Insta, leur donner de la force. Franchement, ça va leur faire du bien. Allez pas les enfoncer. J'ai un tweet, les gars, j'ai un tweet. Ibai, co-créateur de la Kings League. Le plafond a été touché, vol flagrant. Ibai. Co-créateur de la Kings League, le plafond a été touché, vol flagrant. Il nous déteste, Ibai. Il nous déteste. Il y a des vidéos où il célébrait le match qu'on a perdu. Troll. Il a troll. Il troll pas, frère. Il troll pas. Bah, si, troll qui l'a fait. Oh là. C'est ironique. Je sais pas, les gars. Mais merci à vous, en tout cas. Vraiment, vous avez joué le jeu de malade. Moi c'est même pas sur elle touche ou elle touche pas. C'est le penalty avant. Les gars, c'est un but contre double. Ouais, vous m'entendez là. Ouais. C'est même pas sur elle touche ou elle touche pas. Bref. Voilà. Je pense pas que jamais de la vie ils vont faire quelque chose de ce qui s'est passé. La keeper, good game. Le gardien qu'on a affronté. Hein. Léo Messi. Il a été bon. Non. Eux, ils étaient fair play. Ouais. Eux, ils étaient fair play. Beaucoup plus que les deux autres équipes qu'on a jouées. Mais voilà, les gars, c'est comme ça. Penalty ou pas selon vous sur Amara? Parce que tu sais que s'il y a penalty sur le MLS, c'est un penalty normal aussi après. Pour moi, il y a penalty. Hein. Samir, il a parlé avec lui. Avec qui? Avec l'arbitre. Non, mais tu l'as dit, Amara, il va pas vers le but, donc c'est pas penalty. Ça n'existe pas. C'est une règle qui n'a jamais existé. Cette règle, elle n'existe pas. Il a inventé une règle. En fait, t'as une surface, t'as une zone. Si t'es dans la surface, par définition, t'es proche de la cage. L'arbitre, il a inventé une règle. C'est une définition, en fait. Amara ne va pas vers le but, je ne siffle pas. Je ne connais pas cette règle. Peut-être c'est une nouvelle règle. Peut-être moi, je ne joue qu'en régional. En régional, peut-être elle n'existe pas, cette règle. Et non, mais il y a nous, en fait, t'as une surface, ça veut dire que t'es proche de la surface. Ça a été créé pour ça, en fait. Surface, proche de la surface, c'est mathématique. Les gars, en fait. Dans la surface, arrêtez de me dire ça existe pas cette règle. Hey, tu peux même être dos au but. Tu peux même être dos au but en train de protéger ton ballon. C'est un mec qui te met une laser, c'est faute, c'est penalty. Tu peux être n'importe où sur le terrain. Un mec il te fait tomber, c'est penalty. Comment ça la règle elle existe? Vous êtes des fous quoi? Ça n'existe pas. Non mais t'as donné un bon exemple. Je fais un contrôle. Je fais un contrôle orienté vers l'arrière. Je me fais balayer. Mais c'est faute. Je vais pas vers la cage. C'est penalty. Mais vous êtes fous quoi?
Genre moi, imaginons, je suis un attaquant qui joue en remise, un mec voilà d'appui. Je contrôle, le défenseur il me tire, il me balaye. Je suis pas vers le but. Il y a pas pénalty. Bah dans ces cas-là, c'est facile. Je vois l'attaquant, il se retourne un peu, hop, je laser, c'est fini. C'est facile le foot, hein. Moi, je vais mettre une VAR fois 100. Oh la VAR, mais tu sais que l'arbitre, pour demander la VAR, c'est la seule fois qu'il l'a demandé du match. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de demander une seule fois la VAR pour ça. C'est un scandale. Carrément, des Mexicains, ils sont venus nous voir, ils sont excusés. Des Mexicains. Ouais. Mais bon, c'est comme ça en tout cas. Ça ressemble à la fin de l'aventure, on va pas se mentir. Moi, je te dis, hein, Piqué, il s'est tué avec la Kings League en France. Hein. Ouais. Il s'est tué. Ouais. Je pense que même Amine qui était peut-être chaud de faire la Kings League. Même Amine qui était, à mon avis, c'est. Moi, je connais mon gars Amine. Hein. On va pas parler pour lui. Vas-y, on va pas parler pour lui. On va le laisser. Vas-y, bref. Il est où Amine là? Amine, il doit être soit avec les joueurs. Ah non, mais Amine, il parle avec Piqué et tout. Ouais. Mais là, il n'y a aucune solution. C'est quoi la solution? Franchement, dis-moi, c'est quoi la solution? Il est bloqué, il peut plus rien faire. Il n'y a rien à faire. Il est bloqué, il peut plus rien faire. Vas-y, arrêtez de nous sortir des noms de n'importe quoi, les gars. Vous voulez qu'on... Arrêtez de dire un tel a manqué. Il n'y a personne qui a manqué. C'est un arbitre qui a manqué. Personne n'a manqué ici. Personne, il n'y a aucun mec. Non, n'importe qui, personne n'a manqué. C'est bon. Arrêtez avec Lessi, on refait le monde. Vous voulez qu'on ramène qui? Zidane? Avec Lessi, on refait le monde. C'est bon. Oh, la parade du gardien. On va vous remettre un peu le match. C'est où? Oh, je suis dégoûté. Dans deux jours, on rentre là. Dans deux jours, on rentre. Tu rentres avec zéro défaite. Rien, t'as pris deux buts dans le jeu. Ah, c'est écœurant. Franchement, c'est écœurant. Ouais. Moi, je vois pas là. J'ai envie de descendre là. Ça fait 2 heures que je suis là. Par contre, pour qu'il n'y ait pas Amine, Samir et Jérém, là, c'est que ça doit barder en bas. On a zéro victoire aussi. Ah, sérieux, c'est honteux. Et ouais, Amine, je ne sais pas. Là, à mon avis, Jérém, Samir et Amine, ils doivent péter un câble. Vous voulez le match? En fait, je vais vous mettre le match parce que moi j'ai moins envie de parler là. Donc, je crois que c'est ça. Attendez. Je sais pas si c'est ça. Ouais. Pas de match, les gars. Je sais pas, je vous donne. Moi j'en ai marre un peu là. Je vais. Désolé, les gars. Je sais pas, match, pas match. Bon, vas-y, je mets pas. Même moi j'ai pas envie de voir. Même moi j'ai pas envie de voir. Jérém, c'est Menez, les gars. Jérém Menez. Ah, je suis dégoûté. Descendez, on mate le match en attendant. Peut-être que je vais vous mettre le match. Vite fait, je vais descendre. Et puis si Amine ne remonte pas, je vais remonter. Parce que quand même. Amine, faut qu'il revienne quand même. C'est vrai. Les gars, pour que vous connaissiez Amine. On va animer. Mais le match, on met comment le match? Programme? Tu vas regarder vite fait, je vais descendre vite. Vas-y, je vais regarder les gars, le match. Je vais descendre vite fait. Bah, les gars, Christian, il est en pleurs. Hein. Oh, Christian, ouais, il est effondré. Tu sais qu'il pleurait, il pleurait comme un bébé. Mais frère, c'est normal. Frère. J'arrive, les gars. J'arrive. Tu m'envoies un message s'il y a un truc? Je mets pas le match. Oh, ils veulent pas qu'on mette le match? Non, mais sérieux, les gars, sérieux. Franchement, vous rendez pas compte le travail qu'il y a derrière, les gars. On a kiffé, il n'y a rien à dire. Franchement, les gars, il n'y a rien à dire. On est au Mexique, c'est bien. On est dans un bon hôtel et tout, c'est bien. Mais franchement, tout ce travail pour rien. Pour rien. Pour rien. Les joueurs, ils ont laissé leur famille, ils sont là, il y en a qui ont arrêté un peu le championnat avant. Moi, j'ai laissé ma famille, j'enchaînais les allers-retours Lyon-Paris. Là, on est là au Mexique, c'est du boulot. On perd, les gars. Il y a 32 équipes, il y en a forcément 31 qui perdent. Il n'y a pas de souci.